pas parler entièrement du suivi, c'est juste pour voir la relation entre suivi et information. Le suivi, c'est en vue d'identifier le plus tôt possible les succès ou les problèmes effectifs ou potentiels. Ça permet de faire des alertes hein, quand on fait un suivi pour qu'on puisse prendre des mesures de rémédiation. Il permet ainsi d'ajuster rapidement la conception ou le fonctionnement du programme ou du projet. Ça, c'était information et suivi. Maintenant, nous allons voir la relation entre information et évaluation. Information et évaluation. Vous le savez tous, l'évaluation est un exercice de durée limitée qui vise à apprécier systématiquement et objectivement à travers les informations obtenues, ça revient, donc les critères 4 que vous connaissez, donc, apprécier donc la cohérence, la pertinence, l'efficacité, l'efficience et le succès d'un projet en termes de réalisation, d'effet d'impact. Que le projet soit en cours d'exécution ou en achèvement. On peut aussi faire ce qu'on appelle une évaluation ex ante avant que le projet ne démarre. Cela est possible. On y va. Là aussi, je fais un saut. On ne peut pas parler totalement de l'évaluation. Donc, cette évaluation vise aussi à fournir des informations, ça revient, pour la formulation de programmes futurs. Indépendamment donc que cette évaluation permette de faire des bilans du parcours ou des bilans en fin de programme, ça permet aussi de faire des projections. L'évaluation est sous-tendue par plusieurs paramètres. Le constat, il y en a qui n'aiment pas constat, ils préfèrent qu'on dise constatation, l'analyse, l'appréciation et le jugement. On y va. Maintenant, information et système de suivi et évaluation. Le système de suivi et évaluation désigne l'ensemble des processus de planification, de collecte et de synthèse des informations, de réflexion et de présentation de rapports. Bon, on le sait, quand on dit système, c'est qu'on a affaire à des composantes qui interagissent tout en formant un tout cohérent et évidemment aussi orienté vers un but connu. Le système de suivi et évaluation est un système d'information constitué d'acteurs, là ça revient, acteurs, données dont la production, l'organisation et la circulation sont régis par des procédures et des outils informatiques. Généralement, dans ma pratique, je parle de dispositif de suivi et évaluation. Il y a un premier dispositif, l'acheminement de l'information. Un autre, c'est le dispositif institutionnel où on voit les structures qui sont concernées, à qui on adresse l'information. Et il y a aussi le dispositif opérationnel qui nous permet de travailler, hein, de collecter, de traiter, d'analyser les données, etc. Le système de suivi et évaluation, tu es allé trop loin. C'est pas grave. En matière de suivi et évaluation, l'information est centrale. C'est elle qu'on délimite, on continue. C'est elle qu'on collecte, il faut y aller. C'est elle qu'on traite, c'est elle qu'on analyse, c'est elle qu'on restitue, c'est elle qui permet de générer le rapport et c'est elle qui facilite la prise de décision. Arrête-toi là. Dans mon expérience, parce que j'avais fait les sciences de l'éducation, quand on parle de traitement de l'information, on a normalement tout le processus, hein, dépouillement, réduction, analyse, synthèse et autres. Et bien, à force de travailler avec des statisticiens, ma union est là. Il y a une différence entre traiter et analyser. Donc, il y a le traitement de l'information qui est séparé de l'analyse de l'information. On y va. Maintenant, quand on dit délimiter l'information, c'est un peu le travail de cadrage. Collecter, on utilise des méthodes et des outils. Traiter l'information, le dépouillement, l'appurement ou le toilettage, le tri. L'analyse, on extrait des graphiques, on interprète.
La restitution, voilà, là il faut que je m'arrête. On restitue une nouvelle formation, une nouvelle information, plus structurée, plus précise et mieux structurée. Je ne peux pas mettre tous les termes dans la même cage. Donc il faut comprendre nouvelle information, plus, mieux structurée, plus précise et mieux structurée. C'est-à-dire donc ce n'est plus l'information qu'on a collectée, c'est une information qui a été travaillée et que l'on projette. C'est ça quand on fait la restitution. Le rapport, normalement, là aussi, c'est le rapport de suivi des progrès, idéalement. Jusqu'à présent, nous faisons des rapports d'activités. On prend des activités que l'on décrit, mais il y a une orientation, il y a une tendance. Il faut ce qu'on appelle le rapport de suivi des progrès. C'est-à-dire, donc, de rapport en rapport, on essaie de voir, on doit voir l'évolution par rapport aux indicateurs. À tel trimestre, voilà ce qu'on a, où est-ce qu'on a noté. Au deuxième trimestre, on doit avoir évolué par rapport à ça. Au troisième trimestre, etc. Et on explique pourquoi. Et s'il y a stagnation ou s'il y a recul, on essaie aussi d'expliquer pourquoi. Donc, c'est un peu différent des rapports statistiques, des rapports statiques qu'on a l'habitude de faire. Il y a... Tu as caché, tu as... Fagay, il y a quelque chose qui est caché là. Oui, Mohamed. Tout n'apparaît pas. Un participant a activé le sous-titre. Qui peut voir cette transcription enregistrée. Il faut appuyer sur la croix qui est en face. Je supprime cela. D'accord. Tout à fait en haut, il y a une croix. Tu appuies sur la croix. Voilà, d'accord. C'est bon maintenant. C'est bon. Non, tu n'as pas enlevé. Un participant a activé le sous-titrage. Donc, tu annules ça avec la croix. D'accord. Excusez-moi, je pense que c'est à votre niveau, Moucheba. Nous, on voit le diapo intégralement. Ah, ok. Tu as raison, oui. Donc, c'est l'évolution de l'information. L'information évolue. C'est le début parce que... Vous avez le bon. Chez vous, vous avez le. C'est Doudou. Non, c'est Doudou, mais c'est bon. Ceux qui n'avaient pas vu ça, j'ai désactivé. D'accord, c'est bon. Vous pouvez y aller, Mohamed. Moucheba, votre micro est fermé. Merci, je ne m'en étais pas rendu compte. Donc, évolution de l'information. Ici, information, c'est un terme générique. Et vous allez voir que ça évolue. L'information, donc, évolue d'étape en étape. Hein? Dans un premier temps, l'information se trouve dans un contexte diffus. Ensuite, ce sont des données que l'on collecte. À droite, hein? Ensuite, il y a l'information proprement dite. Cette information proprement dite, il faut la transformer en connaissance. Et cette connaissance doit tendre vers ce qu'on appelle la sagesse. Donc, quand on délimite, on est dans le contexte. Quand on collecte, ce sont des données qu'on collecte. Ce sont des données qu'on traite aussi. Et au niveau de l'analyse, on passe de la donnée à l'information. On restitue l'information. On génère un rapport pour produire de l'information et de la connaissance. Et pour la prise de décision, évidemment, ça concerne à la fois la connaissance et la sagesse, on y va. Bon, c'est moins dynamique que ce que j'avais prévu. Normalement, les choses devaient aller étape par étape. Signification de cette évaluation, de cette évolution, donc. Chaque étape donne un sens à l'information. Donc, on a toujours l'information et on a l'évolution de cette information. Contexte, données, information proprement dite, connaissance, sagesse. On y va? Voilà. Le contexte, ce sont les circonstances qui conditionnent les données. Et concernant les données, nous avons différentes formes. Ça peut être des mots, des textes, des nombres, des images et même du son, etc. L'information proprement dite, c'est une donnée placée dans un contexte pour fournir un sens. Quand on dit information,
c'est qu'on s'attend à obtenir un sens. C'est différent des données qui peuvent être esparses. Et quand on les structure, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, analyser pour donner un sens. La connaissance, c'est l'information grâce aux apprentissages, grâce, je dirais plutôt, à la réflexion. Donc, quand il y a une réflexion appliquée sur une information, on va vers la connaissance. Et la sagesse, c'est le savoir utiliser la connaissance, c'est faire les bons choix. Et maintenant, nous allons essayer d'utiliser un exemple. Exemple donc, prochain slide. Je prends comme exemple une femme, hein, on va cibler une femme. Donc l'information arrive, l'évolution de cette information, et nous allons cibler une femme parmi d'autres. On collecte des données au niveau de cette femme. J'utilise cette image parce que c'est assez concret, j'ai l'habitude de l'utiliser. Donc on constate des douleurs au bas-ventre, on constate qu'elle a des vertiges, on constate qu'elle est sujette à des vomissements, qu'elle a des nausées. Évidemment, l'information qui va ressortir du traitement de ces données, c'est que cette femme est enceinte. Cette femme est en état de grossesse. C'est ça l'information. Mais, selon mon expérience, quand on va vers cette information, le commanditaire vous dira toujours qu'est-ce qui explique cela? C'est-à-dire qu'on retourne vers les données. Or, on a besoin que de ça. La femme est en état de grossesse, c'est ça l'information. Mais que vous vous mettiez à dire parce qu'elle a des douleurs, elle a des vertiges, elle vomit. Bon, je crois que ce n'est pas nécessaire. Le fait de dire que la femme est en état de grossesse résume tout cela. C'est ça la bonne information. Au niveau de la connaissance, c'est que, bon, on porte une réflexion sur cette information, on peut aboutir à cette conclusion, la fragilité de la femme enceinte. Là, on est dans la connaissance. Et on est dans la sagesse si on fait un choix, si on arrive à traiter cette information. Décider de dispenser cette femme enceinte de certaines activités. Parce qu'il y a une certaine fragilité, on dispense. Donc, c'est un peu un exemple qui est donné, qui n'est pas peut-être très parlant, mais qui donne une idée de l'évolution de l'information. On passe donc de la donnée à l'information, à la connaissance et à la sagesse. Slide. On va passer à une récapitulation. Donc, information, c'est un terme générique. Ça passe par diverses situations. Il y a le contexte où tout est diffus. Il y a des données qu'on collecte. Et ces données, on doit les transformer en information. Et cette information, normalement, avec une certaine réflexion, avec les apprentissages qu'on en tire, devient de la connaissance. Et si cette connaissance nous permet de faire les bons choix, on est dans la sagesse. C'est cette récapitulation que je fais par rapport à ce que nous venons de voir. Mais on peut faire aussi d'autres types de récapitulations. Il y a deux processus qui viennent après. Slide. Il y a le processus d'identification des besoins en information pour le suivi. Donc, on est toujours dans l'information. Et il y a le processus de gestion des informations destiné au suivi des progrès. Donc, pour le premier processus d'identification des besoins en information, il y a l'aspect planification. On a un objectif général, un objectif physique des résultats et même des activités. Et il y a l'aspect réalisation, c'est-à-dire accomplissement, où on a l'impact qui correspond normalement, qui est une réponse à l'objectif général, les effets, une réponse aux objectifs spécifiques. Il y a les extrants dont je n'ai pas parlé ici. C'était avant la gare, la gestion actuelle, c'est les résultats. Donc, on a cette planification, objectif général, objectif spécifique, résultat. On a un certain nombre d'éléments qui apparaissent, l'impact, les effets, les ressources. Et on passe aux indicateurs. Pour l'impact, on a quelques indicateurs, les effets aussi. Les ressources nous permettent sont des intrants, hein, nous permettent donc de nous activer. Les activités sont des processeurs. Et par rapport à tout cela, on peut porter une réflexion, voir quels problèmes nous pouvons rencontrer.
et par rapport à ces problèmes, essayer d'identifier des besoins en information. De plus en plus, dans les systèmes de suivi et d'évaluation, on arrive à cela. Quels sont les besoins en information? Il y a une technique pour produire ces besoins en information. C'est cette technique que je propose ici. Et quand on a ces besoins en information, il faut passer à la gestion de ces informations. Donc, on aborde le processus de gestion des informations destinées au suivi des progrès. Là, donc, on a des acteurs de suivi. Ce sont eux qui vont aller sur le terrain, qui vont collecter les données. On y va? Il y a les procédures de suivi. Donc, on utilise une méthodologie, on utilise des méthodes, des procédés, des outils. Et normalement, on doit pouvoir faire un rapport de suivi. Et ce rapport se fait grâce à des outils de suivi qui doivent être organisés dans un plan de suivi. C'est le plan de suivi qui va nous permettre donc de travailler et de faire correctement notre suivi et évaluation. Ailleurs, dans le contexte de la gare, on parle du cadre de mesure de rendement, qui est le plan de suivi et évaluation. Merci de votre attention. Je suis à votre écoute. Je préfère les contributions encore une fois, plutôt que des questions qui pourraient me poser des problèmes. Merci bien. Merci Mohamed pour votre communication qui n'est vraiment pas très longue, mais qui est axée vraiment sur le principal. Et vous avez très bien fait de faire la distinction entre le dispositif de suivi et le dispositif de suivi et d'évaluation. 37. Excusez-moi, je vais désactiver le son, sinon ça va perturber nos travaux. Donc, je vous remercie. Donc, s'il y a parmi les participants, je ne vais pas être longue moi aussi, en essayant de résumer votre communication, parce qu'à vrai dire, je n'ai pas eu le temps de prendre note parce qu'il fallait désactiver les autres micros. Donc, j'ai dû me connecter sur une autre machine, comme j'avais dit tout à l'heure. Et donc, je n'ai pas eu le temps de revoir, faire un résumé. Bon, j'avais cherché un modérateur, mais je n'avais pas eu le temps de faire la modération, de trouver un modérateur aussi. Donc, j'ai aussi jeté dans l'affaire-là. Donc, s'il y a des participants qui veulent poser des questions, profitez de Mohamed, il est là. Et je vais commencer aussi par annoncer que la prochaine session des minutes de réflexion va porter sur les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est en gros l'acteur social dans le projet, toutes les personnes qui interviennent dans le projet. Donc, la prochaine session va porter sur ça. Elle est prévue pour la date du 2. Sauf empêchement pour nous, c'est prévu pour la date du 2. Donc, je partagerai dans le flyers et le lien d'inscription dès que ce sera prêt. D'accord. Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la main ou prendre la parole directement. Et pour les autres, je vais prendre des notes. Je préfère des contributions, hein, je vous préviens. D'accord, Mohamed. Bonjour. Bonjour, Kodé, ça va? Ça va très bien, Yafagé. Oui, ça fait un bail quand même. Oui, ça fait très bien. Juste peut-être féliciter Douane et Mohamed. J'ai pris le train en marche, j'étais dans une autre réunion. D'accord. Juste aussi saluer l'initiative. Et je suis heureux aussi de retrouver ici la famille Saint-Eval. D'accord. J'étais un peu déconnecté quand même, mais je reçois toujours les bulletins d'information. À part ça, je dis toutes mes félicitations à Mohamed. Merci Kodé. Mais Kodé, si vous pouvez animer, si vous voulez animer aussi un thème, vous pouvez contacter le secrétariat permanent ou moi-même. Ok, pas de souci, Inch'Allah. D'accord. Merci. Maouño, je pense qu'il y a Maouño aussi qui a levé la main. Oui, bonjour tout le monde. Merci, monsieur Mohamed. J'ai vraiment aimé votre présentation, surtout le PowerPoint. J'espère que vous allez partager le PowerPoint avec nous pour qu'on puisse se rappeler de tout ça.
Merci. Mao, non. Mao, non, tu n'as pas encore mangé. On ne t'entend pas bien. Vous avez entendu, moi, mais vous n'avez pas entendu. Elle a pris des fromages béninois, là. Donc, je disais merci à Monsieur Mohamed pour sa présentation. J'ai beaucoup aimé le PowerPoint. J'espère qu'il va partager ça avec nous pour qu'on puisse se rappeler de tout ce qu'il vient de nous enseigner. Merci. Oui, Yafaré va partager ça. Oui. Je vais partager cela tout de suite, même dans le chat box, avant la fin de cette session. Donc, je pense qu'il nous reste quelques minutes, bien qu'on a démarré avec un peu de retard. Donc, Yann, est-ce que je ne vais pas interpeller le doyen Yann? Yann, bonjour. Vous... Oui. Yann, alors, bonjour tout le monde. Merci, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que quand il s'agit de l'information, il faut surtout signaler au moins deux, trois choses. La première chose, en matière d'évaluation, et même si on suivi, et je pense que le présentateur a déjà abordé cette question, mais c'est la question d'évaluation qui va influencer, ou les questions d'évaluation qui vont influencer le type d'information et, n'est-ce pas, qui est nécessaire, n'est-ce pas, pour répondre justement aux questions d'évaluation. Il s'agit ici, bien sûr, de la conduite des évaluations. Peut-être aussi, l'autre chose à toujours retenir en matière d'évaluation, il a déjà dit, je pense, que toutes les informations n'ont pas le même poids, la même fiabilité, etc., n'est-ce pas? Donc, il y a la notion de triangulation, la notion d'utiliser des informations qui proviennent de plusieurs sources, n'est-ce pas? En vue de mieux préciser et de mieux cerner la question concernée. Donc, je pense que ces deux éléments-là, la triangulation pour assurer la fiabilité des informations collectées, à partir desquelles on va faire une analyse, comme il a dit, mais aussi porter un jugement, parce qu'en matière d'évaluation, finalement, l'évaluateur, l'équipe d'évaluation sont appelés à porter un jugement, n'est-ce pas? Et je n'ai pas vu ce mot jugement là-dedans. On a parlé d'analyse, etc., mais j'ai vu ça. Mais ceci dit, merci pour la présentation vivante, partager avec nous les sources. J'ai été très heureux de voir aussi qu'il y a des sources citées qui ont passé très rapidement. Et je pense que nous pouvons tous nous alimenter. D'ailleurs, je vais faire un petit message au chat avec d'autres sources d'informations que les gens peuvent lire. Donc, merci pour m'avoir donné la parole, même si je me suis inscrit un peu en retard. Je suis actuellement aux États-Unis où je viens d'assister à la conférence de l'Association américaine d'évaluation où le CENEVAL a un accord de collaboration entre le CENEVAL et l'Association américaine qui nous a permis d'envoyer un délégué cette année, Mamadou Ndiaye, El Hadji Mamadou Ndiaye, qui est parti participer à cette réunion avec moi-même. Donc, merci, félicitations à tout le monde. Et salutations pour tout le monde et bonne chance pour la Coupe du Monde également. Merci bien, Yann. Merci, Yann. Ça fait un plaisir de vous écouter. Ouais, heureux de vous entendre là. Oui, pour le jugement, en fait, évaluer, c'est porter un jugement de valeur. Ça, c'est comme ça qu'on le définissait, nous, quand on était à l'INEAD. Parce que, je le rappelle, j'étais enseignant. Et c'est comme ça qu'on le définissait. Tout à l'heure, dans les paramètres que j'avais cités, j'avais parlé de constat, analyse, appréciation, peut-être que j'aurais dû dire jugement. Concernant la triangulation, on est tout à fait d'accord. Je ne suis pas allé dans la fiabilité de l'information. Je suis allé dans la transformation de l'évaluation. La triangulation, on dit triangulation, il y a trois côtés. Il y a les outils, il y a les observateurs et il y a les espaces. Donc, ce sont des choses qu'on doit utiliser pour trianguler, pour avoir des données objectives, hein, comme on dit. Et là, on est tout à fait d'accord. Hein. Je n'ai pas abordé cet aspect, mais c'est quelque chose qu'on pourra programmer éventuellement. Certaines choses qui concernent. Il y a tellement de choses à dire sur l'évaluation. Hein. Énormément de choses.
Là, je me suis lancé en parlant de la place de l'information sur l'évaluation, mais il y a énormément de choses à dire. Donc, j'écouterai les autres collègues. Et si jamais il y a des espaces, je pourrai revenir pour aborder d'autres problèmes. Merci pour ces interventions. D'accord. Merci, Mohamed. Nous ne manquerons pas, par exemple, de vous inviter à nouveau si l'occasion se présente. Monsieur Lamine Diame, après il y a Ibrahim Itouf et Pire Aledi et Leïssa Pietou. Leïssa Pietou, c'est la coordonnatrice du groupe thématique Jean. Vous pouvez y aller. Bonjour. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour Lamine. Et, je m'appelle Lamine Diame, je suis universitaire, enseignant-chercheur. Wow. Alors, je tiens d'abord à féliciter le conférencier. Tout d'abord, signaler que bien qu'on soit peut-être dans un domaine où le suivi évaluation est un peu nouveau, on commence à s'y intéresser. Et pour nous, ce type de rencontre constitue un grand plaisir pour nous. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes beaucoup plus, apparentés à travailler sur les sciences expérimentales, mais on sait qu'un jour, peut-être, les projets agricoles qui demandent toujours, par exemple, du suivi évaluation. Donc, un jour, on sera beaucoup plus impliqué. Lamine? Raison pour laquelle, La connexion est partie en ligne. Allô, Lamine? Oui. Allô? Oui. On vous écoute. Oui, vous pouvez continuer. Je ne vous entendais plus, en fait, c'est ce qui se passe. Ah, d'accord. Je disais que je suis intéressé maintenant au suivi évaluation parce que peut-être dans l'avenir, dans le futur, on est appelé à réfléchir sur des projets agricoles et tout. Et donc, c'est un grand intérêt pour nous. J'avais seulement une petite interpellation ou question même par rapport à la présentation. Je crois que ça doit être dans les dernières diapositives, 12 ou 13, je pense, où le conférencier a parlé de procédures. Effectivement. Oui, c'est à la 12. Oui, processus de gestion des informations destinées au suivi progrès. Alors, pour moi, je voudrais savoir quelle est la différence entre le point procédure de suivi et plan de suivi. Qu'est-ce qui les différencie en fait? Deuxièmement, je voulais dire que nous espérons peut-être avoir l'occasion de faire une formation en présentiel. Dans le cadre du suivi évaluation. Merci. Oui, Fagé, je peux y aller? Oui. Oui, Mohamed, vous pouvez y aller. Bon, directement, je pense. Sénéval prévoit pas mal de formations sur cette thématique. Ça peut s'organiser, donc là, il n'y a pas de problème. Concernant votre question, les procédures de suivi, là, c'est peut-être tout ce qui concerne les méthodes, les procédés, les outils. Alors que le plan de suivi, ça permet de réaliser, là, c'est un peu le plan qui va aider à la mise en œuvre du suivi, comme un plan d'action, comme tout plan. Je disais tout à l'heure que pour ceux qui font la gestion axée sur les résultats, le plan de suivi s'apparente beaucoup à ce qu'on appelle le CMR, le cadre de mesure de rendement, où on a des activités de suivi avec les temps qu'il faut faire, avec la signification. C'est ça le plan de suivi. C'est différent des procédures qui permettent de...
Il y en a qui n'ont pas fermé le micro. Maintenant, dans certains contextes, quand les gens parlent aussi de procédure de suivi, ils comprennent ce qu'on appelle les niveaux de suivi. Selon mes pratiques, il y a 4 niveaux de suivi. Il y a, parce qu'on planifie et on réalise. Il y a donc ce qu'on appelle les prévisions et les réalisations. Quand on planifie des objectifs généraux, on s'attend à avoir un impact. Ça, c'est un niveau de suivi. C'est le suivi des tendances vers l'impact. Je n'aime pas tellement dire suivi de l'impact, parce que l'impact, c'est à très long terme et il y a un problème. Hein? Donc, des tendances vers l'impact. On a planifié des objectifs spécifiques, on s'attend à avoir des effets. Ça, c'est le suivi des effets. On a planifié 2 ressources, on s'attend à avoir des extrants. C'est le suivi des extrants. Et là, on parle, il y a un critère ici qui revient, c'est le critère efficience. On a planifié des activités, on s'attend à réaliser ces activités. Là, c'est le contrôle de qualité, c'est le suivi des activités. Là, on s'attend à évaluer selon le critère efficacité. Là aussi, il y a des gens qui appellent ça procédure de suivi, les niveaux de suivi. Mais moi, je fais la différence entre niveau de suivi et procédure, comme je l'avais tout à l'heure expliqué. Lamine, merci. Yafagé, tu es là avec nous? Oui, je suis là. Il y a des mains levées. Comme je pense, oui. Merci Lamine Diame pour votre intervention. Monsieur Ibrahim Diouf. Monsieur Diouf. Oui, bonjour. Monsieur Diouf, vous pouvez intervenir. Oui, bonjour. Monsieur Diouf, ça bonjour. Va? Oui, ça va bien, bien, merci. J'ai essayé de vous appeler ce matin. Ah, tout à fait, merci. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Et vous avez très bien fait de m'envoyer encore un autre message parce que j'allais rater vraiment cette occasion extrêmement utile pour renouveler nos connaissances et renforcer. Donc, d'accord. C'est vraiment des mots de félicitations. Hein. C'est tout un plaisir de vous voir à l'œuvre et de remercier également Monsieur Ba pour son brillant exposé. Peut-être là où je pourrais insister à partir du moment où j'ai suivi une partie de sa présentation, c'est que le rapport d'évaluation, parce qu'on nous parle de la place de l'information dans l'évaluation, le rapport d'évaluation s'appuie d'abord sur une information, parce que la collecte des données va servir de faire sortir un certain nombre d'informations et le rapport d'informations en lui-même est un document qui doit informer et qui doit permettre une prise de décision. C'est comme si donc on pourrait considérer que l'information c'est au début et à la fin du processus d'évaluation. Alors c'est justement en cela que l'intervention de M. Yann également est assez pertinente parce qu'il s'agit, quand il s'agit d'une information, je pense que l'information doit passer par tous les canaux de tri hein, pour que ça soit une information qui, au finish, soit une information vraie et qui peut être pertinente par rapport à son lieu de destination. Je voudrais faire un coucou à tous nos amis de Sénéval. Merci beaucoup. D'accord. Merci, M. Diouf. Merci bien, M. Diouf, le CRE, pour cette intervention. M. Fassar Ngom. Une minute. Avant, M. Fassar, est-ce qu'il n'y avait pas Mme Safietou? Attends, il y a Fagay. Ah, vous voulez répondre d'abord, d'accord. Non, c'est juste pour conforter ce qu'il dit. Hein. Il a raison, il en a raison. Mais quand on dit traiter l'information, analyser l'information, tout est là-dedans. Hein. Dans le traitement de l'information, il y a ce qu'on appelle l'appurement. Le toilettage, la réduction. Donc, on peut déjà retrouver tout cela là-dedans. Dans la collecte, effectivement,
Là, il faut collecter en tenant compte des outils, en tenant compte de la triangulation. Je ne suis pas allé au-delà de cela, mais en principe, tout est contenu là-dedans. Et donc, je confirme ce que vous dites, je confirme ce que Yann a dit. Merci bien. Tu peux y aller? Ah, je peux boire mon thé quand même. Hein? Madame Safietou? Madame Safietou, Madame Safietou, c'est la coordonnatrice du groupe thématique genre de Sénéval. Merci beaucoup, Yafagé. Oui, bonsoir, madame. Madame. Ça va bien. Madame Gom. Assalamu alaikum à tout le monde. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend, allez-y. Oui, on vous entend, madame. Oui, parce qu'on est dans le véhicule de retour. Je suis à retour pour Dakar. Et je tenais vraiment à participer. D'abord, magnifier cette initiative. Cela surtout encourager les collègues que j'ai vus parmi les participants. Et jusqu'à Ourosso lui-même, j'ai vu quand même Mamadou Alimou, que j'encourage, parce que parfois c'est un peu difficile quand on est dans les régions, de pouvoir suivre certains renforcements de capacité. Et si on parle d'évaluation, c'est l'actualité. On est dans le budget programme. Du budget programme, du évaluation, il y a aussi son poids. Peut-être une question à Mohamed que je félicite aussi par rapport à l'information et la donnée. Quand est-ce que la donnée devient une information? Bonne question. Quand c'est brut, ouais, quand est-ce qu'elle devient une information? En fait, c'est... Oui. Non, c'est notre thématique, hein, quand est-ce la donnée de l'information. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a des données que l'on collecte. Ces données, il faut les traiter, il faut les analyser. Et quand on les analyse, on sort normalement une information, c'est-à-dire on donne un sens. On structure ces données et on donne un sens à ces données. Dès l'instant qu'il y a un sens, on est dans l'information. Tant qu'il n'y a pas de sens, on n'est pas dans l'information. Donc, la donnée placée dans un contexte qui fournisse un sens, c'est ça l'information. Madame Gom, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Entends voilà, c'est le passage donc voilà. Nécessaire. Voilà. C'est ça l'information, il faut qu'il y ait un sens. Quelqu'un voilà. Comparaison, parfois c'est une comparaison. Parfois, c'est peut-être, enfin, de manière triangulée. Je ne vous entends plus, là. Alors, là. Allô? Madame Gom. Madame Gom. On vous entend très mal. C'est possible. On vous entend c'est peut-être plus, dû au fait que, comme vous dites, vous n'êtes pas à Dakar actuellement. Oui, c'est ça. Je suis sur le chemin de retour, mais je tenais vraiment à participer. D'accord, merci. Je vous entends très bien et j'ai bien écouté les explications de Mohamed. Merci d'accord, beaucoup. Merci. Merci. D'accord, merci, Madame Gom. Monsieur, il y a Monsieur Far. Ok. Il y a beaucoup de bras levés alors qu'il est 16 heures. Oui, il est 16 heures. Je pense qu'on ne va prendre que deux intervenants, les derniers. C'est Fassar Gom et Younous Mané. Mais je pense qu'on va donner la parole d'abord à Monsieur Fassar Gom. Il y a Kodé aussi qui demande la parole. Oui, mais Kodé, vous aviez déjà pris la parole. Est-ce que ce n'était pas une main qui était levée et qui n'est pas abaissée? Non, c'est juste... Non, il n'a pas pris la parole, Kodé. Non. Ah, Kodé, vous n'avez pas pris la parole, d'accord. Si j'avais pris la parole, mais là, j'ai juste une information à partager. D'accord. Et puis aussi, j'ai des questions quand même. D'accord. À propos de Sénéval, mais pas dans le cadre de ce qu'il a, comment dire. D'accord. Okay. Donc, Monsieur Fassar, allez-y. Il est bientôt... Oui, il est l'heure, hein? Monsieur Fassar?
Je pense que M. Passard ne nous entend plus. M. Younous, Younous Mané, vous pouvez intervenir pour, après pour laisser Kondé intervenir pour qu'on puisse clore, merci, clore les merci, échanges. Merci, merci beaucoup. Comme le temps est en train de s'effriter, je voudrais me présenter. Je suis Younous Mané. Je suis le chef des services administratifs et financiers de l'hôpital Albert Royer. Oh. Voilà, qui a suivi la formation en suivi et évaluation à l'ESMP. Et j'ai eu le privilège de côtoyer M. Saïd Koli, donc c'est à travers lui que nous avons intégré Senva. Donc, je voudrais remercier le secrétariat permanent et l'ensemble de ces personnes qui se battent pour que cette société-là continue d'exister et de nous être utile. Merci, merci à vous tous, Monsieur le Président, et à tous les membres du bureau. Je souhaite que voilà, Senval continue de vivre et de connaître encore d'autres succès. Pour revenir sur la thématique dont nous avons eu le plaisir et le privilège d'écouter Monsieur Ba pour la brillante présentation, très succincte, c'est vrai. Parce que moi, j'avoue que je m'attendais à une réponse très simple. Quelle est la place de l'information dans le suivi et évaluation? Parce que c'était ça, la thématique. Et moi, j'attendais une réponse. J'attendais la réponse pour savoir quelle est réellement la place. Monsieur Diouf s'y est un peu essayé en disant que l'information est au début et à la fin du suivi et évaluation. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que l'information est au début, pendant et à la fin de tout. Il est sur tout le processus de suivi et évaluation. Donc, pour dire que c'est très important de s'occuper de l'information, ça démarre par un processus de collecte. Michel Ba l'a dit, mais nous avons parfois quelques difficultés à chaque étape du processus de gestion de l'information dans le suivi et évaluation. D'abord, les soucis de collecte. Vous l'avez dit, tout doit partir d'une expression de besoin. Parfois, nous avons du mal à traduire nos expressions de besoin en langage documentaire ou bien en langage qui puisse être compris par le suivi et évaluation. Sinon, parfois, c'est des outils que nous avons, mais qui ne permettent pas de rendre compte des besoins d'information qui ont été exprimés. Donc, je pense que, en tout cas, moi, je suggérerais que M. Ba, en affinant, en tout cas, cette présentation, puisse peut-être pour les trois grandes étapes, c'est-à-dire la collecte, le traitement ou l'analyse et la diffusion, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on a juste parlé de rapport, c'est juste ce qui va suivre. Mais à chaque étape, il y a peut-être des difficultés qui peuvent biaiser l'information. Qui, à mon avis, ce serait utile, comme l'exercice est un exercice d'enseignement, de partage pour ceux-là qui n'ont peut-être jamais même flirté avec le suivi évaluation. Ce serait bon quand même qu'ils puissent savoir que la gestion de l'information dans le suivi évaluation est une chose très sérieuse, mais pas toujours très facile. Nous avons besoin de standardiser un certain nombre de choses, essentiellement les outils, mais également les rapports qui sortent après le traitement ou l'analyse de l'information. Donc, c'est peut-être ces quelques suggestions parce que c'est un problème de temps. Nous avons déjà atteint l'heure, mais je voudrais en tout cas remercier Monsieur Ba et souhaiter plein succès et bonne continuation à toute l'équipe de Saint-Val. Je vous remercie. Merci bien. Bon. Merci, vous, M. Mané. Vous dites vrai, hein, la place de l'information. Là, je l'ai dit, l'information est centrale, l'information est transversale. Donc là, de bout en bout, quand on parle de suivi, l'information est partout. Quand on parle d'évaluation, que ce soit l'évaluation ex ante, l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale ou même l'évaluation ex post, qu'on appelle aussi évaluation rétrospective, l'information est toujours là. Mais à l'intérieur d'une situation, je parle de cette évolution-là. Hein? Passer du contexte aux données, des données à l'information proprement dite, l'information à la connaissance et de la connaissance à la sagesse. C'est un peu la pyramide de l'information. Je me suis arrêté là, mais ce que vous dites, c'est vrai. Et donc,
C'est parfait. Yaya Fagay? Oui, bon, je peux relancer, comme c'est moi le suivant. Code Diop, on t'écoute. Doyen, ça va, vous allez bien. C'est juste peut-être une confusion. C'est mon ami Code. Oui, Code Diop, depuis... De Saint-Louis. Oui, de Saint-Louis. Ah, ça me fait plaisir. Comment vas-tu? Ça va très bien, je vais très bien. Ah, content de te revoir là, ça fait longtemps. Ah, Masha, merci beaucoup, je suis disparu. Hein. Maintenant, je suis dans les régions, je ne suis plus à Dakar. Peut-être je vais me présenter. Je suis Code Diop, je travaille au niveau de SS Village d'enfants Sénégal comme chef de projet du projet C4C qui cible les enfants talibés dans les départements de Fatih, Tafrine et un peu partout à Côte d'Ivoire pour le Diabagaya. Maintenant, revenant sur le sujet, d'abord, je dis, hein, comme l'a dit le doyen Mané, moi, je pense que l'information, c'est du début à la fin. Comme on est en gare, même quand on formule nos projets-là, l'évaluation des besoins, là, on a des informations. Au moment de l'évaluation des besoins jusqu'à l'analyse des atouts au niveau de la communauté à travers l'outil PESTEL, mais aussi quand on fait notre chaîne de résultats, puis le cadre de résultats, tout ça, plus le suivi des indicateurs, tout ça, on a de l'information. Maintenant, même après ça, il y a l'étude de référence. Tout ça, ce sont des informations qu'on va traiter et qui vont nous servir de données. Donc, je pense que c'est du début à la fin. À part ça, j'ai une question ou bien une suggestion à Sénéval. D'abord, je vais féliciter le secrétariat permanent. Je salue de passage aussi Mme Safiatou Diallo, que j'ai perdu de vue depuis 2015, je pense. Si vous pouvez aussi prévoir des certifications au niveau de Sénéval, parce que je vois que dans beaucoup d'organisations, ils font des certifications pour les membres. Donc, pourquoi pas faire des certifications avec des formules, même si ça nous prend une année ou bien deux ans, serait bien de le prévoir. Ça, c'est une suggestion quoi, de ma part. Après ça, je dis merci à tout le monde. Merci également à Yaya Fagay. Merci. Merci, toi. Merci, Kode. Et content de te retrouver. Il y a encore des bras levés, là. Yaya Fagay? Oui, Mohamed, je suis là. Tu as toujours plusieurs ordinateurs avec toi ou quoi? Oui, j'ai deux ordinateurs avec moi parce qu'il fallait que je prenne un ordinateur pour mettre en sourdine les micros qui étaient activés. Certainement que les participants ne savent même pas que c'est activé parce que souvent tu les entends téléphoner. Je vois Malik Ndom. Hein? Je vois Malik Ndom qui a levé la main. Ah, Malik Ndom, d'accord. Donc Malik Ndom sera le dernier intervenant parce qu'on a dépassé l'heure de 10 minutes. Malik, vous pouvez y aller. Alors, merci beaucoup. Donc, je remercie les membres du groupe d'avoir organisé cette session. Moi, je suis Malik Ndom, je travaille à Oxfam et je suis responsable d'un programme de justice sociale et je suis en même temps vacataire à l'université Aline Diop où je donne des cours de gestion et de suivi et évaluation. Et membre de plusieurs cabinets où on fait ces formations pour les associations et les ONG. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler en tant que formateur, je parle en tant que simple gestionnaire de projet. Pourquoi? Parce que je me suis dit, on demande aux gestionnaires de projet, à tous les intervenants, aller sur le terrain, collecter les données. La donnée, c'est l'intrant de l'information. Mais ce qui se passe, c'est qu'une donnée a besoin de répondre à un certain nombre de critères. Donc, il faut éprouver la donnée en temps réel. Cette donnée doit être en temps réel. Il doit être intègre. Il doit être utilisable. Et tout individu qui tombe sur la donnée doit signifier c'est quoi. C'est à ce niveau-là seulement que le traitement pour le convertir en information devient
très, très intéressant et peut servir comme facteur de prise de décision. Je pense que donc les types de formation comme ça sont bien. Ça va. C'était pour vous dire qu'on a fini la session. Il y a un dernier intervenant. Allez-y, monsieur l'homme. Donc, c'est pour dire tout simplement, moi, je ne suis pas membre de Sénéval, hein, mais je le suis très bien. Et tous les auditeurs avec qui je travaille, ou les étudiants, ou les gestionnaires de projet, je leur demande de s'inscrire à Sénéval. Parce qu'ils ont des sessions perlées, de petites unités, sur de petites thématiques et qui leur permet de renforcer rapidement leur capacité, le renforcement de capacité. Donc, je pense qu'une thématique comme ça, centrée sur information et suivi, est très, très, très intéressante. Et là, je prends une proposition qui est faite. Au lieu de le faire sur information, suivi, évaluation et tout, je pense que si on avait centré tout le débat sur le suivi et l'information, ça aurait donné beaucoup plus de poids encore à la présentation parce que ça aide. Donc, ce type de formation, c'est des informations, c'est des formations qui aident. Et vraiment, j'encourage encore Sénéval à faire des types de formations de ce genre, de les décentraliser et de permettre à tous ceux qui ne sont pas Sénéval d'être invités à temps pour participer. La dernière, c'est que le vendredi soir, c'est très court, c'est pas très opérationnel. Je pense qu'il vaut mieux trouver un jour, même si c'est de 10h à midi ou bien de 13h, souvent de 13h à 14h ou de midi à 14h, c'est encore mieux, les gens vont beaucoup plus participer. En tout cas, je vous remercie et félicite Aya Fagé et félicitations à Mohamed Ba, que j'ai rencontré souvent dans mes pèlerinages. Merci beaucoup. Merci bien, Michel Dom. Je confirme ce que vous dites. Hein. D'ailleurs, personne ne l'a dit, il y a énormément d'étapes, tests et pré-tests. On teste toujours les données avant de pouvoir les utiliser. Je ne l'ai pas évoqué non plus parce que, comme je le disais quand je commençais, à chaque fois, je fais des sauts parce qu'on ne peut pas parler de tout à la fois quoi, en une heure. Ce n'est pas possible. Merci bien, Michel Dom. Merci, Mohamed. Merci aux participants. Vraiment, nous avons eu un panel très riche. Bien que la session a été courte, et aussi, monsieur Ndom, nous vous assurons que nous avons tout fait pour chercher c'est-à-dire le meilleur espace et en fait, plusieurs propositions ont été pour le vendredi soir, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne travaillent pas les après-midi du vendredi, et le concept veut que la session ne soit pas très longue vu que les gens n'ont pas beaucoup de temps et puis on est en fin de semaine, tout le monde est fatigué. Donc, Peut-être, moi j'ai mal mangé, je n'ai pas pu correctement monter. Bonjour. Oui, parce que tu dis. Oui, parce que monsieur va. Parce que... Bonjour. Oui, bonjour. Fagé, tu m'as mis au frigo, hein? Non. On vous a appelé plusieurs fois. Bien, j'étais vraiment, je vous entendais bien, mais je pense que c'était un peu de truc technique. Mais d'accord. J'étais en train de dire bonjour, je suis là, mais bon, malheureusement. Mais peut-être donc que votre micro ne fonctionnait pas. Oui, je vais respecter le protocole en tout cas. Donc, la prochaine fois, certainement, je vais pouvoir intervenir. D'accord. Et d'accord, je remercie vraiment Monsieur Mohamed. Voilà, donc comme le temps est déjà fini. Merci. Et vous aussi, hein, là, l'initiative, hein, on voit vraiment vous êtes en train de faire un bon travail. D'accord, donc, merci. Ça sera que partie remise. Hein, on va revenir. D'accord. Okay, merci, monsieur Pastor. Tenez à dire ces quelques mots, hein, pour ne pas d'accord, prendre la d'accord. parole. Quoi. Merci beaucoup, d'accord, Farid. Merci. Là, c'est Fassar Ngom. Je suis statisticien économiste au ministère de la microfinance et de l'économie sociale solidaire. Voilà, donc j'ai participé à quelques activités pendant le Ramadan par rapport à l'autre groupe. On s'est rencontrés là-bas, Fagé. Mais on veut tous intégrer cette Eval, hein? C'est intéressant. OK, merci beaucoup. Allez, merci. Merci tout le monde. Là, Fagé, tu peux... conclure, clôturer.
Et après, oui, alors monsieur Ba. Oui, donc, donc je vais laisser madame comme clôturer pour nous. Parce que j'ai interpellé Yann, mais peut-être qu'il ne m'entend pas ou peut-être qu'il s'est déconnecté pour qu'il clôture pour nous. Ah, et il a envoyé un message hein, pour dire que. C'est Yann. Oui, il avait envoyé un message hein, pour parler de données qualitatives et de données quantitatives. Oui. Ah oui. Il a parfaitement raison, mais bon, moi j'étais dans. D'accord. Donc, merci. Voilà. Madame Sapieto, vous êtes là, vous pouvez clôturer pour nous. D'accord. Merci. C'est un plaisir. Hein. Oui. Je veux encourager l'initiative encore une fois et donner rendez-vous à tous les participants et participantes et aussi de partager l'information. Parce qu'il y en a qui peut-être informés auraient souhaité participer. Oui, donc, d'accord. Remercier encore une fois et peut-être tenir compte un peu des recommandations. Oui, d'accord. Au nom de Sénéval, j'ai vu le président Abdelaziz, le secrétaire général aussi. Et donc, oui. Remercier tout le bureau et vous encourager à aller de l'avant. D'accord. Merci, madame Go. Merci. D'habitude, ça s'arrêtait dès qu'il était expulsé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lamine? Lamine est là? Je l'ai passé depuis longtemps. Mais... Donc, pour les participants qui demandaient la communication, je l'ai partagé en mode lien et j'ai dû convertir le document en PDF puisque le PowerPoint était difficilement partageable en lien. Donc, j'ai dû le convertir en lien puisque c'était vraiment impossible de le partager en PowerPoint. Et nous vous remercions aussi tous et toutes, autant que vous êtes. Oui. D'accord. Le partage des documents, c'est vraiment intéressant. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci monsieur Ba, notre cobaye d'aujourd'hui. Monsieur Ba, je vais prendre vos coordonnées après. Merci monsieur Ba. Merci Kodé. Merci Fagay et tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci aussi à nos participants des autres pays. Merci beaucoup. Vraiment, on a eu des participants d'autres pays et d'autres associations sœurs, comme la Deuxi Yéval, l'association burkinabèse aussi d'évaluation. Merci beaucoup. Bravo. Hein? Merci, à la prochaine. Merci. Ça a été un plaisir, hein, vraiment. D'accord, merci. Fagay, après, je vais t'appeler. Merci. D'accord, merci. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Merci. À la prochaine, merci beaucoup. Lamine, vous pouvez mettre fin à la réunion. Merci. Merci aussi. Thank you.